quoi. Pendu. Oh, poisson. Ouais. Salut Simon. Salut, on est poisson. Ouais. Le poisson est gros, mais il est mort. Oh, il est pas énorme, hein. Quoi? Il y en a la coquine. Elles sont tous ici. Allez, Simon. Allez, Jean. Une jolie PR7 de plus. Yes. J'étais en train de remonter mon vif et là je sentais dans ma canne, je tenais qu'à une main, tu sais. Pas du tout préparé à avoir une touche. Tiens, une vivante. Au vif, je suis invisible. Oh la boîte! Oh la boîte! Elle est pas vilaine. Elle est pas vilaine. Elle est pas vilaine. C'est le broc, hein. Non, non. Père chasse. Elle touche. Non, pas ouais. Très beau ça. C'est pas vilaine, hein. Un petit 40. Un petit 40. Sans bouger. Je me suis dit, allez, j'essaie de pas bouger. Et boum. Voilà. Encore une belle perche. Je me tourne pour que vous ayez un peu de lumière correctement, mais regardez. Elle est blanche celle-là. Ouais, il y en a qui sont belles, les autres. Elle est pas trop. Elle est un peu gonflée au niveau du bide. Mais... Voilà, merci. J'ai un peu éclaté sur l'eau plutôt qu'autre chose. Mais elle est redescendue. Oui. Je vais remonter mon vif tout à l'heure parce que je touchais sur la structure. Ouais, mais c'est ça, c'est la structure. Bah ils sont là, ouais. Yes. Un joli fish, hein. Bah, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Hein. Ah, c'est bon, ça aussi. Ouais, regarde. J'ai mon sondeur qui déconne. C'est des bouts de ferraille qui font déconner. Je cherche pas. Hein. Tu vois là, tu vois, j'aurais mon sondeur GPS. Ouais, c'est pas non plus trop dur à trouver. Hein. Tu descends ça. Hein. C'est tout ce que je prenais. Oh cette touche. Non non. Bon, je vais peut-être mettre un petit triple. Oh, le vif. Oh, cette fois elle est pendue. Après 3 touches d'affilée. Non, non, je vais essayer de la faire décompresser un peu au cas où. Avec le stress en général. Oui. Si. Je sais pas. Regardez le pet qu'elle a là. Ou grab. Black Mino. Bah, déjà des perches comme ça, moi. Oh la boîte! Oh la boîte! Putain! J'avais au bout! Allez, reprends. Voilà, tu en as une. C'est pas très gros, non. Ah, là, Alexis, regarde ta canne, regarde ta canne. T'as plein de touches. T'avais des touches. Ah, elle est pas bien, en fait. Ouais, c'est un peu le risque. T'as, je te jure, ta canne, elle bougeait, t'avais des touches au l'air. Elle. Ça a repris. Un peu plus correct.
Non, pas énorme. Hein. Après, 2 mètres, ça va arriver. Pas vilaine encore. Ouais. 35. Oh con, pète qu'il y a là-dessous. Ah ouais? D'un bec? Je sais pas, mais. Elle pète. Ah ouf, putain, ouais. Je sais pas ce qui lui est arrivé à elle, mais elle en a partout des pets en plus. Yeah, c'est encore une 35? Non, c'est un bec. C'est un bec? Il y a la trace là. Oh. Ah ouais. Oh putain, oui, tout ça. Ah, mais en plus, il avait pas une grande gueule. Ah si, ça va jusqu'à là, Léo. De là à là. Bah ouais, mais ça fait pas, ça fait un brochet de 70 quoi. C'est bien fait niaquer. Ah, c'est fait niaquer. C'est notre père. J'ai trouvé pile la zone, mon gars. Moi, j'ai rien qui part. Hein. Mais c'est vraiment dans une petite zone. Hein. Oh, coupé. Okay. Hop, allez, brochet. Black Mino, un moins. Un Black Mino en moins. Coupé ou pété? Non, pété. Ouais, pété. Ouais, grosse perchasse. Putain. Les blocs là, et t'as râpé peut-être le long de. Ouais, les moyens. Putain, dégoûté. J'ai pris une boîte. Bon, le Black Mino, non, non, moi. T'en as un, toi, là? Black Mino? Pourquoi? L'autre, il est dans la boîte à truite. En même temps. T'as quoi? T'as ta ligne? C'est pas la mienne. Hein. Oh oui, mon Black Mino! Oh oui! Alexis, comment tu régales? Merci. Hein. Oh, le truc auquel je m'attendais pas du tout. On voit qu'on pêche sur le même endroit. Hein. T'en es en loin. Non. Il y a de l'écho là partout. Ouais, si ça tape. Ah, décroché. Petite, je sais pas, mais elle a tapé elle. Elle a bien tapé. Ça m'a mis une boîte. Bouf. 45? Oh non, 42. 42, même pas 40. C'était poisson. Ah, décroché. C'était joli. Ça faisait 40, toi. C'était une perche de 40. Ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est bon. C'est pas gros, ouais. Quoi? Ouais, un petit. Ah, je suis décroché. Quoi, ouais, t'es pas gros, ça. Pas vilain? Poisson. Doublé. Oh, comment elle l'a coffré, elle? Elle me l'a coffré, mon gars. Et sévère, hein. En con. Ouais, on va coffrer le one up, elle. Ah ouais. Quoi? C'est un poisson. T'as mis les coffres, mon gars. Ouais. Ouais, elle est très grosse. Hein. Ouais, elle est très grosse. Putain, elle fait pas loin du bord. Hein. Putain, loupé. C'est un poisson. Ouais.
Coffret en plus. Et coffret, coffret. Ah ouais, c'est hallucinant. Et je sais exactement où elles sont. Elles sont vraiment mais à l'extérieur du bain. Mais elles sont dans le genre... allez, 8 mètres d'eau même pas. C'est pile quand je passe à l'extérieur du bain que ça tape. Sinon, j'ai fait aucune touche. Hein. Oh, ça part. Ça part, ça part. Ah, loupé. Ça partait. Allez, boule. Ça partait. Ouais. Ouais. Oh, pas l'air vilain. Hein, c'est pas vilain du tout. C'est pas vilain du tout. Bon, ouais, du poids. C'est pas le maître, mais. Non. Il combat bizarre. Ouais. Il fait un combat de merde surtout. Ouais, il fait un combat très bizarre. Il se sert de son poids. C'est assez gros quand même. Ouais, ouais, ça fait un bon 70. Il se sert de son poids comme ça. Oui, c'est plutôt joli. 70, ouais. Allez, 2-4. Oh, 70. T'as eu 60. Où il est piqué? Non. Il est piqué du bord, du bord, du bord, du bord. Ah ouais. T'as eu ah quoi, ouais, mais vraiment, l'hameçon, il y a juste la pointe dans sa gueule, tu sais. Il est même pas dans sa gueule, c'est sur le bord. Ouais. Hey. Il est trop tôt ou pas? Ouais. Il est lourd. Ah, ils sont grassouillés. Ils sont grassouillés, ouais. C'est le mot, hein. Oh non, il est pas mal. Oh, il y en a quand tu vas me faire signer lui. Ah. Oh putain. Tu veux que je t'aide? Avec ta lente main, tu peux pas le sortir, c'est bon. Je vais essayer. Je vais essayer. C'est des marques. Ouais, j'en ai. Une marque de pêcheur. C'est du week-end dernier, ça s'est même pas enlevé encore. Allez, oh. Et... Je prends un carton. Ah. En la remontant, juste doucement. Et 2-4, walk. Et je suis à 18. Ça va aller. 18 brochets de l'année, wouhou! Ça monte vite! Ça monte en ce moment! C'est pendu! Oh! C'est pas vilain! Je sais pas, mais c'est pas vilain du tout! Ça combat bizarre! Oh, c'est un petit bec! Enfin, joli petit bec. Ah, il combattait bizarre. Moi, bon, il est piqué juste sur le bout. Ah ouais? Putain, j'ai plus la pince. Ça va que je peux... Ça va qu'il est pas piqué beaucoup, hein. Hop. Piqué juste sur le museau. Ah. Allez. Ouais, deux brochets. Et voilà. Un tout petit 60. Allez, 50, entre 55 et 60. Eh non, il fait plus de 50. Hein. Ouais, c'est sûr. Vous en avez bien quand même. Par contre, on n'a pas fait de gros broc. Le dernier, quand même, il était joli. Ouais, le dernier. Putain, cette boîte. Ah ouais. Oh. Une belle sacoche, comment ils ont. Ah ouais. Ça, c'est perche. Ah, il faut que j'ai une sacoche. Ouais. Ah, t'es comme les coffres. Tout à l'heure, il me les coffre comme ça.
La pente, là, la remontée de, 10, de 11 mètres, elle a pas trop aimé. Non, pas du tout même. Elle a la vessie ? Ouais. Ça fait l'estomac qui se ressort. Putain, cette cartouche, ça fait... Bim ! Ça doit pas être tout seul, hein. Putain, y'a pas tant que déco que ça, au fond. Ouais, mais toi, ça va pas bien rentrer, ouais. Je veux bien le mettre au fond, celui-là. Les poissons. À te mettre de ces tapes, mon gars. T'es encore one up, tu vois. Quoi? Ah non, elle te fout de ces boîtes. Et tu vois? En dessous de 10 mètres, là, sur la... ça casse et après ça remonte à 8 mètres. Je l'ai fait tous dans 8 mètres. T'en fais pas, hein, sinon après. J'ai quand même fait 3 perches de 40, 3 becs et une dizaine de perches de 30, quoi. Bon, ben voilà, session terminée sur ce coucher du soleil. Et cette nuit qui tombe, donc on a fait 6 brochets, on a fait 4 perches de plus de 40, une quinzaine de perches entre 30 et 40. Ben on s'est bien amusé, plein de petites perchettes aussi au vif, on a fait toucher, on a touché au leurre, c'était vraiment super sympa, ça a touché à tout, ça réagissait bien, on a trouvé la pêche. Et puis on s'est vraiment éclaté. J'espère que vous aussi hein, vous êtes bien amusé en regardant cette vidéo. N'hésitez pas, le petit like, le petit partage. Le petit like c'est vraiment la récompense. C'est ça qui nous aide à progresser, à référencer la vidéo. Le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.